Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Zelda Tears of the Kingdom. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés dans les cieux avec notre compagnon Babil pour effectuer un sanctuaire. Bon, le sanctuaire, je pense qu'on va l'effectuer tout seul, hein. Je ne pense pas qu'il y aura Babil avec nous. Mais il nous attendra bien sagement à l'entrée une fois que nous aurons terminé ce sanctuaire. Et d'ailleurs, ça sera le quatrième sanctuaire. En longueur, hein. Ça sera une quatrième orbe que nous aurons avec le sanctuaire si nous le réussissons. Donc ça c'est cool, mais bon, on ira peut-être pas tout de suite échanger les trucs. Alors ça commence très bien. C'est fermé. Il y a un bateau de l'autre côté. Là il y a un truc. Est-ce que quelque chose est bougeable? Apparemment non. Je ne pense pas que je puisse remonter dans le temps. Non plus. Passer là, ça me servirait strictement à rien. Ah ah. Plutôt cocasse comme début de. Comme début de sanctuaire, dis donc. Quand même plutôt étrange. On va essayer de tirer à travers, peut-être. Ok. Zoué, bédé, bédé, boué. Et normalement, en plus, on récupère la flèche. Allez. Ok. Alors, il va y avoir tout un délire avec les bateaux. Ça m'a l'air très grand. J'imagine qu'il y a aussi un ou plusieurs coffres à récupérer. Ouais. Ok, donc nous avons un bateau ici. Alors les voiles des bateaux qui... les voiles horizontales qui font rebondir. Bim! Attaque! Merde! Je me trompe de touche. C'est quelques jours que j'ai pas touché au jeu. Je vais sûrement faire un peu de merdasse. C'est très probable. Vieil arc en bois. Actuellement, on a que des 14 ou plus. J'imagine qu'on connaît déjà ça. Ouais. Ok. Donc là, on va prendre le Boeing qui va nous emmener très probablement sur... Ici. Sur ici. J'imagine. Alors attends. J'aimerais bien... Peut-être visiter le bateau d'abord. Ah, il n'y a pas vraiment de visite de bateau. Et en plus de cela, je crois que je me suis coincé. Merde. Bon, bah super. Allez. Par contre, j'espère juste qu'il va pas me faire réapparaître sur le bateau. Please. Please, ne fais pas ça. Ok, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Flying. Voilà. Ok, on regarde un petit peu les environs, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je sais pas vraiment où nous attend le coffre. Alors là il y a un bateau qui se déplace, c'est sûrement celui-ci qu'il va falloir prendre. On va attendre qu'il se rapproche. Je sais pas, moi je sens bien un... Je sens bien un coffre sur un bateau quand même. Boing. Et là nous avons un autre truc. On va se poser ici. Sûrement... y faire de l'extérieur du coup. Juste checker s'il n'y a pas... S'il n'y a pas le coffre quelque part. Normalement avec la main rouge on devrait... On devrait le voir. On devrait le voir s'il y a quelque chose à prendre.
Alors. Ok, on a ouvert des grilles. Alors le truc, ce qui m'intéresse, c'est que là, il faudrait aller ici, mais il y a quand même un truc ici, là, pourquoi? Il est bizarrement placé celui-ci, je le comprends pas trop. Peut-être qu'il cache quelque chose. Parce qu'il est pas pratique, il sert pas à grand chose. Je vois pas forcément de coffre dessus donc. Donc je ne sais pas. Parce que là c'est la fin en plus. Donc ça veut dire qu'on a bel et bien loupé le coffre. Sauf si il est là. Mais ça n'a pas l'air. Où est ce bon vieux coffre? Il est quand même suspect ce bateau ici, hein. Très suspect. Je sais pas ce que c'est ça là. Si c'est juste de la décoration. Parce que il est tout seul en fait. C'est bizarre d'avoir cette ornementation là sur un coin. Et pas sur les autres. Là ouais c'est la fin, c'est la fin quoi. C'est la fin. Alors peut-être qu'il était plus tôt. J'aurais quand même bien vu sur un... J'aurais quand même bien vu sur un bateau, moi, le coffre, hein. Ah, attends. Est-ce que il serait pas là? Parce qu'on voit qu'il y a un trou là. Est-ce qu'il y aurait pas une entrée secrète par ici là? Non. Ah non. Non, c'est juste le truc qui est constitué. Qui est constitué un petit peu bizarrement. Où est-ce qu'ils sont allés mettre ce coffre? Je sais pas si je vais réussir à atteindre. Ok. Je vais pas forcément sauter, mais pourquoi pas. Ah putain, c'est ici. Excusez-moi. C'est complètement ici, j'avais pas vu. Oh, ok. Pas de checker les environs. Nice. Je cherchais vraiment un truc un peu caché au niveau des bateaux et sous la map du coup.
coup, j'avoue que j'ai pas pensé à juste regarder tout simplement les coins de la map. Comment la map était faite. Alors que la plupart des du temps, les coffres sont dans ces endroits-là en plus. Dans les recoins de map. Ok, bah nickel. On peut sortir. Histoire de continuer notre ascension. Ok, quatrième orbe. Alors par contre, ouais, c'est là. C'est là, je sais pas trop comment on va continuer tout ce qu'on a déjà fait. En fait, ça serait bien que je puisse récupérer le truc que j'avais fait. Mais je sais pas si je vais réussir à l'emmener jusqu'ici en fait. Et je sais pas s'il existe encore en fait sur tout ça aussi. Ça se trouve là en entrant dans le sanctuaire, peut-être que le truc a disparu, qu'il s'est réinitialisé, je sais pas. Je l'avais posé par ici là, mais j'ai pas l'air de le voir. Merde. Tourne-toi. Au secours. Attends, je voulais lui demander un vent là. Pour être sûr d'y arriver. Est-ce que j'ai encore mon véhicule de fortune? Ça n'a pas l'air. Hein. Je pense que malheureusement, il a dû disparaître en entrant dans le sanctuaire. Ça fait partie des objets qui ne restent pas dans le monde. Dès que la map est rechargée. Ce qui est fort dommage. Donc c'est à dire que si tu fais une construction de fou qui t'a coûté des millions de matériaux, ben tu recharges la... Si tu rentres dans un sanctuaire ou autre, et ben malheureusement tu perds sa trace. Tu en perds sa composition carrément. Un peu triste. Un peu sad, on va pas se mentir. Ok, nice. Trouve pas mal de flèches en bois là. Depuis tout à l'heure. C'est peut-être un message pour ce qui nous attend. Et tu babilles. Allons-y. Alors j'ai chemin à gauche, chemin à droite. Je pense qu'il faut plutôt que j'aille à droite. Parce que je pense pas qu'à gauche je puisse y aller. Alors que là c'est un petit peu surélevé. Essayer de le surprendre. Après, quoique. Oh, si, ça le fait en fait. Je les voyais pas aussi proches de là où j'étais. Je pense que je peux y aller naturellement. Après, il y avait peut-être un coffre à récup ou un truc du genre. Ok. Donc là, on a ça pour monter. Ça, c'est cool. J'en demandais pas moins. En fait, ça va. Si maintenant il y a des bateaux pour ce genre de situation, ça le fera. Hey,
C'est moi ou Babil il a fait tomber le golem? Babil il lui a fait une volée de flèches là et il l'a fait tomber. Alors c'est bien joué mais on perd du loot quoi. Donc finalement c'est pas si bien joué que ça Babil. T'as encore de l'entraînement hein, à avoir. Alors là il y a des caisses. Il y a des glaçons. Ah, et il y a des ennemis volants bien évidemment. Pour le plaisir de tous. Bon je monte mais j'avoue que... Ouais si on se rapproche. Je veux dire que je sais pas trop où on en est mais ça va. Ok. Alors là, du coup... Comment ça va se passer? Parce que là on peut pas monter. Là je peux y aller, il y a un coffre, c'est super, on est trop content. Mais mon but est d'aller ici. Parce que je pense pas que sur cette plateforme je puisse faire grand chose. Quoique... Attends, parce que pourquoi il y aurait tout ça en fait sinon? Est-ce qu'il faut pas juste que je fasse un détour par là-bas? Peut-être ça en fait. Peut-être juste que je fasse un détour. Ok, on va save. On va se mettre un coup de vent. Ah, quoique. Il n'y a pas vraiment besoin. On va aller jusqu'au coffre, premièrement. Allez, donne-moi des flèches. Ah non. Marmite de voyage, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allons-y. Ah, il y a un mini-boss là-bas. Par contre, d'ici, je peux pas atteindre grand-chose. Hein. Là, même le mini-boss là-bas, à mon avis, même avec une rafale... Je ne l'atteins pas. Alors attends, il y avait un intérieur là. Que, honnêtement, même avec une rafale là, je sais pas si ça passe. Hein. Le problème c'est que maintenant que je suis ici. Je me suis un peu... Ah attends. Par dessous, évidemment, si on peut. Parce que là, je vois qu'il y a des stalactites. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le pouvoir? Ouais, peut-être si on... J'imagine qu'on peut faire fondre les stalactites. Moi, j'avoue que j'ai pas essayé de faire fondre aussi le gros... J'ai pas essayé de faire fondre le gros truc en haut là. Ou peut-être même de l'exploser. Ah oui, par contre ça va être long comme ça là. Faut pas faire un truc mieux là. Il m'utilise moins de ressources. Oh, sinon j'envoie une bombe hein. S'il y a que ça. S'il y a que ça, j'envoie une bombe. Enfin. Je vais essayer de pas me la faire péter sur la tête. J'aurais peut-être dû essayer d'utiliser le pouvoir. Voir si c'était possible avant.
Alors, on est remonté ici, très bien. Et donc là, il y avait une ouverture, non? Exactement. Et c'est de là qu'on peut y aller. Alors là, pareil, il y a des... des trucs à la con, hein. Ok, parfait. Hein? What the fuck? Bah, ok. Là, je sais pas pourquoi ma paroi s'est pas ouverte. J'ai cliqué, ma paroi ne s'est jamais ouverte. Tout va bien. Ça aurait pu être catastrophique, mais ça va. Ça va, ça va. Ok. Ça fait peur, celle-ci. Là, on monte ici. J'ai tendance à l'oublier, ce pouvoir aussi, donc... c'est pour ça que des fois... moi, je fais des trucs qui peuvent vous paraître un peu... un peu illogique, mais c'est juste que j'oublie complètement ce pouvoir. Oui, tu babilles. Ok, donc là, le but, c'est d'aller là-bas, de monter, de revenir ici. Et après, on arrivera... très certainement au niveau de la tempête. En tout cas, il y a un sacré chemin à faire. Hein. Ça va qu'ils nous ont mis un sanctuaire en plein milieu pour nous faire un point de sauvegarde. Parce que sinon, ça allait être un petit peu... gênant. Ok, donc là, bateau. Donc là, mini boss. Je vais voir si je peux le prendre en photo. Ouais, Golemax. On avait déjà affronté un sur l'île de départ. Je sais pas si j'ai envie d'aller l'affronter parce qu'après, je sais pas comment remonter. J'avoue. Je vois que là-bas il y a un... peut-être on peut remonter par le haut. Pas trop. Ok, donc là on a accès au bateau. Ça nous permet de I believe I can fly directement là-bas. Si je peux remonter, j'imagine que là je peux peut-être aller dessous ici là et là je peux remonter par dessous. Ouais, c'est complètement fait exprès. Ok, bah allons-y hein. Au pire on se fera une arme Sonao comme ça avec. Zouapépépépépépépéon, faut qu'on reprenne ce pouvoir. Non, pas du tout, celui-ci. Soigner un peu. Non, j'ai pas chopé le bon. Mais... putain. Quelle galère. Thanks.
Les bons dégâts. Comme il lui met des headshots. Du coup, ça l'a pas retourné du bon côté. Un baby, il met de ses headshots. Hein. Est-ce qu'on a des trucs à prendre en photo? Je ne crois pas. Il y a des capsules, il y a des orbes de partout. Lance-flamme, marmite de voyage. Et bien évidemment, de quoi se faire une arme. Et ça tombe bien parce que nous avons une épée de sonium vide. Hack. Parfait. Parfait, parfait. Nous voilà avec une nouvelle arme dangereuse. Pas du tout ça que je voulais faire, c'était ça. Et on va se prendre une arme un peu moins forte pour le moment. Hop. Bah d'ailleurs, en fait, ça c'est une arme que j'ai depuis le début. C'est le premier golem que j'avais battu justement. C'est la même chose, sauf qu'au début j'avais pas de manche Sonao. Du coup, c'est la même arme mais en moins bien quoi, avec juste un bâton. Plutôt cocasse comme situation. Ah, il y a un coffre. Ok. Il était loupable celui-là. Une vieille carte. Oh bah. Ok. Donc deuxième vieille carte qu'on a. Donc ça par contre, les vieilles cartes, ça se passe tout dans les profondeurs. Ça se passe tout dans les abîmes. Ok. Bon, les abîmes, on ira un jour. On y retournera un jour quand on aura potentiellement le stuff pour y survivre correctement, je ne sais pas. On verra. Pas du tout. Non, toujours pas. Tu vas y arriver. Voilà. Bon, j'ai perdu ma lance, mais j'ai quand même une arme très forte en récompense. Donc je pense que c'était worse. Ouais, et en plus on a eu la carte. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai même pas le temps d'activer ma parabole. Ok, je vois ce qui se passe ici. Ah. What? Qu'est-ce que... Pourquoi il y a eu un éboulement là? J'ai pas capté ce qui vient de se passer. Ok. Ok, donc là il y a ça à péter. Mais il y a aussi ça là. Alors attends. On va commencer un peu à gratter ici. Ah ok, on peut aussi y péter à la main, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, encore des flèches, ça c'est bien. Du coup, il y a les... Ah bah. Ah mais non, c'est Babil. J'ai cru que c'était un ennemi. Et point du tout. Ah, le jeu nous rince de flèches en bois. Hein. Ça sent très probablement le boss volant un peu à l'image de Ganondorf. Dans Breath of the Wild, chez les PF justement, il me semble, non? Il me semble. Si mes souvenirs sont bons, mais peut-être qu'ils ne sont pas bons. Vu que ça fait quelques années que je n'y ai pas retouché. Pas que ce soit moi qui l'ai eu. Ah oui, mais c'est bon, Babil il fait tout là. Attends, par contre j'ai le loot. The fuck. Ah, j'ai le loot. Je sais pas pourquoi, mais... Mais bon, apparemment j'ai le loot. C'est pas mal.
Plutôt pas mal, j'ai pas eu tous les loots, mais j'en ai eu quelques-uns. La suite est ici. Bon, c'est bon. Maintenant, il y a l'air d'avoir un peu tout le temps des voiles de bateaux pour aller en hauteur. Je pense qu'il y a un truc que j'avais pas vu. Mais ça se trouve, en fait, j'aurais pu utiliser le pouvoir celui-ci dans ma run de la dernière fois. Où je me suis fait chier à faire un véhicule volant. Je pense que j'ai juste pas pensé à faire le pouvoir en vrai. J'espère qu'il n'y a pas du vide en dessous là. Ok. C'est quand même plutôt dangereux ce que j'ai fait. Ok, on avance, on progresse. Sauvegarde. Il y a de quoi faire du feu ici. On aurait peut-être se faire des plats. Ah, il y a même des poissons là. En libre service. Enfin, je dis en libre service, mais elles sont sous l'eau là. Je crois qu'elles ont eu peur de moi. Bien évidemment. Remonter sinon je mets une bombe dans l'eau. On a chopé 2. 3. Il y en a une qui reste en bas. Voilà, des plats. Parce que c'est vrai que là actuellement niveau plat on a des trucs mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. On va pas se mytho. C'est pas exceptionnel. Ah oui d'ailleurs j'ai une arme qui a cassé. Alors. On va se faire des plats assez simples. Je pense. Un crit, ça met un. On va se faire des petits. On va se faire plein de petits plats. Histoire d'avoir un truc rapide à bouffer, quoi, en gros. Putain, mais les crits, quoi. Ça crit sur des glands, quoi. Brochette de viande. Pommes dorées, je pense que je vais les garder parce que peut-être il y a quelque chose de spécial. Let's go. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial avec les... Avec ça justement. Les pommes dorées. Bioluminescence. Ok, illumine légèrement les alentours. C'est marrant. Et oui, parce que du coup c'est les champilumos. Effectivement. Du coup quand tu bouffes, tu deviens lumineux. C'est pas mal pour les abîmes en vrai. En vrai c'est quand même pas mal. Se faire un petit mélange .
Un petit full mélange là. Oh quoi ? Ah du coup il y a eu aucune propriété. Ah merde, tu peux pas mettre genre plusieurs propriétés en même temps. Ça c'est pour les attaques je crois. Ouais, attaque glace. Donc quand il fait froid je fais des... je suis plus fort quoi. Ça c'est pas mal en vrai. Ça va sûrement nous servir là. J'imagine contre le boss ça pourrait être utile. Alors au cas où je vais quand même faire un plat même si maintenant on a le stuff. On sait jamais, je crois que j'en ai encore mais au cas où. Au cas où. Il y a de la viandasse, il y a de la viandasse. Citrouille farcie protecto. Et tu sais que ça a l'air bon ça. En vrai. Hein. Petite citrouille farcie là. Moi je dis pas non. Hein. Anti-chaleur, ça nous servira mais un jour. Allez, on se fait encore un petit dernier. C'était le petit instant cuisine, comme ça on a des trucs pour soigner. Hop, pour la suite du jeu. Ils se battent contre les golems. Ah ouais, ils se battent contre les golems. Ah, je l'ai pas eu. Putain, il y a trois golems là. Ah. Bon, allez-y, hein, on vous regarde. Hein. Bon, je pense que c'est les golems qui vont gagner. Hein. Mais bon, eux, ils se one-shot littéralement. Ouf. C'est parti. J'ai eu le loot, ouais. Il a mis un temps à se relever. Oh. Oh la flèche qu'il lui a décoché. What the fuck. Il est trop fort. Oh putain, elle s'est brisée. Ah ouais. C'était vraiment pas ouf le bâton. Hein. Ah, il est fort. Hein. Il est fort le ptio. Hein. Ça on peut pas lui enlever, il est fort le ptio. Hein. Par contre, il y a que des bâtons à la con quoi. Un peu chier quoi. Un bâton nul sur un bâton ok quoi, sur un bâton moyen. What the fuck. Ok. En plus je regardais pas, tu sais. Ah let's go. Ah let's go. Ok. Pas du tout eu la pression pendant 2 secondes là de retomber tout en bas. Ciao. Ciao, ciao. Ok, bah quitte à avoir une arme de merde, autant peut-être l'améliorer un peu plus, non? Si on peut gagner un d'attaque. Let's go. C'est dommage qu'ils aient tous des armes un peu péraves là.
Et au Babil. Fais-moi un vent là, s'il te plaît. Il veut pas venir. Je m'en charge. Encore du monde. Ah là, il y a des vraies armes là. Oh le one shot. Il a voulu amalgamer un vase. Un quoi? Il vient de se passer quoi là? Pourquoi j'ai failli juste mourir? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah c'est les bombes là? Ah putain il lance des bombes? En fait c'est pas des simples vases en fait. J'ai failli tomber dans le vide. C'est quoi ce bordel? Je suis tombé dans le vide. Accroche-toi. J'ai envie de die. Chargé. Voilà pourquoi il faut faire des sauvegardes. Régulièrement. Ok, alors en fait c'est pas des vases, en fait c'est des bombes, mais du coup ils s'équipent eux-mêmes de bombes du coup. Intéressant. Ah, cette fois-ci j'ai pas réussi à le one shot. Va te faire foutre avec tes vases là. Mais non, il me fait. Voilà. Ça s'est un petit peu mieux passé que la première fois. Ça, c'est des bombes, ça. Ça, c'est des bombes Sonao. Ouais. Jamais de la vie, je mets ça sur une de mes armes, par contre. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Alors du coup, on a une nouvelle lance. Ça, c'est pas mal, ça. On se mettra quelque chose. On se mettra un petit artefact Sonao. What? Ah oui, mais c'est parce que c'est une caisse en bois. Putain, j'ai cru que c'était un caillou. Autant pour moi. Il faudrait qu'on lui trouve autre chose qu'une caisse en bois, oui, d'ailleurs. Ok, ça c'est cool. Ah, il y a des montgolfières là. Ah, va sûrement falloir faire un... Sûrement va leur faire un truc spécial. Alors, est-ce que j'ai de quoi me remettre juste un tout petit peu? Là, j'ai un 3. Là, j'ai un 1, mais c'est des anti-chaleurs. Ah oui, j'ai ça. Appelé. Voilà. C'est vrai que ça peut être utile aussi de faire juste des 1. J'y pense pas à chaque fois que je fais de la cuisine. Des 1 ou des demi ou des trucs comme ça. Ça peut être cool. Alors, nous avons du feu, nous avons des montgolfières, nous avons de quoi aller là-haut. Bon, cette fois-ci, donc pas de... Ouais, cette fois-ci, on est obligé de faire une construction, mais du coup, les trucs nous sont donnés, quoi. Donc c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que je me dis que vraiment, la construction que j'ai fait moi-même la dernière fois... Je pense qu'elle était pas utile et qu'il y avait d'autres moyens de monter, je pense. Après, bon, là on va monter, mais on n'aura pas forcément la direction, quoi. Là, on va juste monter tout droit. Après, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de faire autre chose que de monter tout droit, hein, de toute façon.
Ben, on vole, hein. Parce que là, on a l'air de pouvoir monter par-dessous. Sacrée ascension, hein, putain. On est proche là, on s'approche de ouf. On s'approche de ouf, ouf, ouf. Donc là, l'objectif, c'est d'aller là. Il y a des bateaux qui font les tours des... les tours des tours. Ok. Et le froid qui est toujours pas pertinent, je trouve, hein. Vraiment, hein. Parce que du coup j'avais remis, on est d'accord que pour voir s'il faisait si froid que ça, j'avais juste remis le pantalon, ouais c'est ça. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'acheter le stuff chez les piafs en fait. Hein. Juste le pantalon que j'ai trouvé au début suffisait, ce qui est un peu malheureux. Ok, donc là il y aura un autre, un autre sanctuaire pour j'imagine l'ultime étape, la dernière partie. Ça a l'air d'être un big rebond. Ouais, effectivement. Ah, si, froid insupportable, ça y est, on y arrive. Ah, bah ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on en parle. Bon, du coup, j'aurais juste eu besoin d'acheter juste un des équipements. Bon. Après, j'en avais acheté 2 sur 3, donc ça va. J'étais jamais monté aussi haut dans le ciel. Le vent est glacial, t'as vu? Moi, ça me va, j'ai mes plumes, mais fais attention à toi, il faut que tu te protèges contre le froid. J'avoue que si par contre t'arrives ici et que tu t'es pas protégé contre le froid, bon en vrai tu vas juste au sanctuaire et tu prends la TP quoi et tu retournes en ville. Ça, franchement ils ont été sympas. Après bon j'avoue que l'ascension était quand même assez rude. Hein. J'avoue que s'il y avait pas eu de point de téléportation je pense que ça aurait pu faire FF des gens, je pense. Ah, c'est juste le fait d'être arrivé jusqu'ici, du coup. Bénédiction de Rao. Intéressant. Très bien. Le fait d'arriver jusqu'ici, c'est une... C'est une fin en soi, quoi. Ce qui est compréhensible, hein, en soi. Ça nous félicite et non pas facilite de l'ascension. Plutôt sympa de leur part. Donc là, ça y est. Est-ce qu'on va réussir à aller jusque là-bas? Très certainement avec la poussée. Et après là, ça va être quoi? On va devoir se balader un peu de bateau en bateau. Il y a l'air quand même d'avoir des petites îles à chaque fois. J'entends des ennemis, non? Ou alors c'est juste la musique qui s'emballe pour rien. Enfin pour rien. Pas pour rien, mais bon. Compris. Ah non, je crois que c'est juste le son du pouvoir
de Babil qui revient, je crois. Laisse-moi faire. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper ou il va plus vite que moi? Enfin, je pense que je vais pouvoir le rattraper. Là, faudrait que je monte ici, en fait. Je suis poussé par le vent. Hein. Je suis grandement poussé par le vent. Je suis prêt. Zouillon. Assez incroyable l'ascension. Alors est-ce qu'il faut que je monte sur les derniers là? Ou est-ce qu'il faut que je me jette hors et âme dans la bourrasque? Ah ok. Ouais, faut que je passe en plein milieu. Après, il va peut-être y avoir une cinématique, non? Ou alors, on y va à la zub. Petite chute contrôlée. Et on arrive sur le donjon du jeu. C'est ça? Temple du vent, c'est ça. Ok, nice. Le premier donjon du jeu. Intéressant. Ah, c'était donc ce vaisseau qu'on voyait à travers les nuages. C'est bien l'arche céleste de la comptine. Oh ? Hein ? Ça alors ? Pas de doute, Link. On a trouvé la source de la tempête de neige. J'ai vu quelqu'un là à l'instant. Juste là, non? Mais il n'y a plus personne maintenant. Il n'y a plus personne. Alors qu'il y avait la princesse Zelda. C'est un sanctuaire ça? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un point de TP peut-être? Ah, point de TP jusqu'au temple du coup. Si on a des affaires urgentes à régler. Et activation du mécanisme. Là ça dit, oh c'est coincé. Du coup il va falloir trouver une solution. Ok. Impossible de l'ouvrir, mais je suis sûr que ce qui cause la tempête se trouve dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ouvrir? Ah, c'est encore ce son. Mon cher descendant, l'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvrira.
Poing. Suis mes instructions. C'était beaucoup plus clair cette fois. Cette voix me parlait, à moi. Je suis sûr que la cause de la tempête qui paralyse notre village est sous cette écoutille. À n'en croire cette voix, l'écoutille s'ouvrira si nous activons les 5 mécanismes qui contrôlent les verrous. Moi, cette voix, j'ai envie de lui faire confiance. On y est presque. Trouvons ces mécanismes, Link. Ok, chef. Allons trouver ces mécanismes. Alors... Ah, c'est le moment où on va se prendre la tête pour comprendre. Il faut faire... Lance de caporal. Ah, une lance toute faite. Intéressant. Et ben ça va dégager mon arme nulle de double bâton qui était juste en attendant d'avoir un meilleur truc. Bien évidemment. Alors qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons des plaques qu'on peut arriver par en dessous, on dirait. Il y a du fire. Il y a du fire aussi ici. Oh putain, oh, ça nous a mis bien en flèche là. Ça nous a mis très très bien en flèche. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bougeables de l'extérieur? On peut bouger la grille mais pas vraiment d'intérêt. Allons prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canon? Pourquoi y a-t-il un canon ici? Waouh! Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur, histoire de se propulser quelque part? En tout cas, y a un truc en dessous, quoi. Ça doit être... Ça doit être de là où on vient. J'avance si doucement. J'avance beaucoup trop doucement pour le commun des mortels. Qui va bientôt péter. Ah, par contre les tonneaux les tonneaux c'est une dinguerie comment c'est résistant ces merdes. Ok, si on veut remonter je pense qu'on peut prendre le truc là au milieu du coup. Eh ben allez, allons chercher l'arc. Merde. Alors... Donc ici, à part si on trouve le moyen d'ouvrir cette grille... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. On a envie, on peut littéralement recommencer tout du début, mais on va peut-être éviter. Il y a des canons un peu de partout. Ça fait partie du modèle du bateau. Ouais, on peut prendre de la hauteur ici. C'est bien ce qui me semblait.
Alors, il y a un mécanisme là. Très bien. Arc de golem renforcé, c'est ce qu'on a déjà sur nous. Alors ici on voit quoi? On voit un laser rouge. Je sais pas si c'est des lasers d'ennemis ou si c'est juste des lasers de détection. Ah, il manque le... Ah, elle est cassée celle-ci, ok. La poignée est classe et cassée. Merde. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Stop. Long gourdin flamboyant. Ah, c'est pas mal ça. Ça va nous être utile. Est-ce que je le remplace à ça? Je pense que je peux. Hein. Long gourdin. Oh, lance de sonium, ok. On va le prendre et puis si à un moment on a une arme qui casse, genre celle-ci par exemple. Dès qu'elle casse, on reviendra chercher notre lance. Poil brut, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? À part un coffre, j'ai pas l'impression. Pour l'impression. Bon, après, est-ce qu'on s'en débarrasserait pas maintenant? Ouais. Je pense pas qu'elle va réellement continuer à nous servir en vrai. Que faire, que faire? Alors, est-ce qu'on peut prendre le mécanisme qu'il y a ici? Je ne pense pas. Coller. Après, est-ce que je peux pas juste créer un truc? Eh oui. Eh oui, il va falloir qu'on y pense à ça. Bien évidemment. Ok, donc premier mécanisme, je pense. Et regarde, Link. Ce mécanisme en forme de moulin pourrait contrôler un de ces verrous, non? Ouais, et tu vas souffler dedans, non? Vas-y, viens. Allons-y. Et ici, là? Let's go. Donc, 1 sur 5, c'est ça? Il y en a 6, mais il y en a un qui fonctionne déjà, donc ouais, il nous en reste 4. C'est un des mécanismes qui contrôle les verrous, Link. Il nous en reste 4. Oh, bah, il a décidé de parler. Il a décidé de parler, celui-là. Alors là, il y a un coffre. Très bien. Sûrement arriver dans une pièce. Secret. Ah bah parfait. On est juste derrière. Bon petit caillou fond. Non. Zouabedebedebeboué.
Oh, bouclier de Sonia, mais il permet de réduire la consommation d'énergie. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. On peut lui accrocher ce qu'on veut. Parce que c'est vrai qu'on avait eu un bouclier rebondissant qui était un bouclier sonium avec déjà un module de rebondissement. De rebondissage. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu encore un blank. Bah là, c'est au choix. Hein. C'est au choix quoi. Je pense qu'on l'a déjà du coup, non? Ah non, on l'a pas. Je pensais que je l'avais pris avec le bouclier rebondissant, mais pas du tout. Donc du coup, le but, ça serait aussi de lui... Ouais. Ah, il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts Sonao qu'on y attache. Donc ouais, je peux lui mettre un truc... Je peux mettre un truc de feu ou autre, hein, on sait pas trop. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Franchement, à part le truc de feu, projecteur, turbine, ouais, pour repousser les gens, mais bon. À part un truc de feu, je vois pas trop. Après, pour l'instant, peut-être qu'il y aura des artefacts Sonao qu'on trouvera plus tard qui seront peut-être un peu plus pertinents. J'imagine. Mais pour l'instant, on va le laisser blank. On n'a pas trop utilisé ce... Je sais plus, avant il était possible de... Ah voilà, c'était ça. Ah putain, oui voilà. Exactement ça que je voulais faire. Parce que je savais qu'avant il était possible de... Mais du coup je l'ai cassé. Ah, c'était une seule utilisation. Ah putain, ok. Je viens de fracasser mon bouclier pour rien. Trop marrant. Oh, marrant. Ok. Voilà. On va se faire un bouclier enflammé. Et puis voilà. Mais oui, voilà, ouais, c'était ça, ouais. C'est ça, saut plus A. Ouais, ok. Ok, ok, je m'en souvenais pas à la base. Alors donc là, nous avons de l'eau. Je sais pas s'il faut faire quelque chose, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, non, c'était juste pour amortir la chute. Par contre, pour remonter... Ça, c'est un autre délire. Ouais, ça aurait été vachement bien qu'ils puissent nous faire des courants d'air vers le haut quand même. Là, je sais pas s'il va tenir là. Parce que là, je suis un peu niqué du coup, non? Ah mais non. On n'est jamais niqué. C'est grave comment j'oublie à chaque fois ce pouvoir. Hein. C'est grave. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Alors il y a sûrement un truc à faire tout en haut. Vu qu'il y a de la glace. Ah ou alors ça sera peut-être le combat final, tu me diras. Et c'est pour ça que pour l'instant... on ne peut pas y aller. Ouais. C'est possible que ça soit ça. Est-ce qu'on a quelque chose à faire à l'arrière du bateau? Un petit coffre, quelque chose, rien. Nothing. Eh bien, ça sera nothing. Huck!
pas l'air d'avoir grand chose à faire ici. Premier sous-sol. Il m'a considéré comme au premier sous-sol. MDR. MEDR. Ah. Un truc là, non? Les fenêtres, mais elles sont fermées. Of course. Je sais pas si je vais avoir des trucs à faire sur les rames. Non, est-ce qu'il va pas falloir que je descende pour trouver les accès sous-sol? J'imagine que oui. Putain, on peut aller vachement haut. Elle est là. Bon, ça ressemble pas vraiment à une arène finale du coup. Et plutôt à un endroit où on peut aller. Ah, ok. Super. Alors j'imagine que je peux repartir par là, non? C'est peut-être trop haut. Allez, fais-toi hacher Link là. Hacher menu dans le dans la turbine. Ah non, je peux pas. Je remonte absolument par là. Ah d'ailleurs, il y a un coffre. Grande lame de soldat 14. Ouais bah non. Bon, à la limite on peut remplacer par la lance de sonium quoi. À la limite, comme ça ça nous fait déjà un truc. Un truc composé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Pas sûr que j'ai grand chose d'autre à faire ici. Si je peux remonter par là, ça me va. Absolutely. Ok, donc ça, les deux côtés avaient été faits. Ah, bah. Comme vos stoners. Ils viennent d'où? Ah, il y a peut-être des... peut-être des ennemis qui réapparaissent quand tu fais certaines étapes. Peut-être. Ah oui, ouais. Pour donner l'illusion que l'endroit est quand même un minimum protégé. Oh non! Je me suis fait capter. Donc après on a ça derrière quoi. On a un truc derrière. Ah oui, on a vu qu'il fallait venir par dessous. Donc je pense que là ça va être le grand saut là. Je pense que nos questions seront trouvées en bas. Mais après, c'est où, quoi? Faut trouver l'endroit qui est ouvert. Et ben, le voilà. Le voilà, le voilà. On a plutôt eu de la chance. Ouais, bébé, ouais, bébé.
Ok. Donc là, accès mécanisme. Sauf que glace de partout. Mais... pas glace avant. D'ici, ça fera l'affaire. Ça a même pas l'air d'être un accès turbine ici. Pouvoir ouvrir la fenêtre. Ok, ça nous fait un autre accès quoi. C'est toujours ça. Alors non, ça tu l'amalgames pas s'il te plaît. Tu seras bien gentil. Vous serez bien gentil les ennemis d'arrêter d'amalgamer des rubis, des saphirs ou autres quoi. Parce que j'aimerais bien les avoir. Ok. Donc là on peut remonter ici. Attends parce que du coup il y avait un coffre là-bas. Ouais maintenant que j'ai traversé j'aurais dû le faire avant. Bon on reviendra. We will be back. Oh, ce niveau nous met trop bien en termes de flèches. Hein. On va avoir des flèches pour tout le reste de l'aventure, ça va être bien. Ça marche le retour en arrière hein. Est-ce qu'il faut juste que je les déplace? On les a vus se déplacer un petit peu, mais... juste les déplacer non tout simplement pas se casser la tête aller chercher je ne sais quoi lame de lieutenant bah, on en a déjà deux quoi c'est pas que je veux pas mais on en a déjà deux quoi. Je crois qu'elles sont même pas utilisées en plus celles que j'ai donc bon, j'ai même pas tapé une seule fois avec donc elles sont même pas usées. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors il apparaît comme si je pouvais le saisir mais il manque peut-être quelque chose pour tourner j'imagine. Tiens tu veux un bout de caillou? Prends ce bout de caillou. Tout à fait ça. C'est quoi, c'est un axe qui l'ouvre ou... C'est le fait de vraiment tourner. Zoua bédé bédé baboué. Coucou. Il vénère hein. Il vénère de fou Babil. Ok on arrive juste derrière, parfait. Alors viens ici. Et souffle. Plus que deux.
Pour le coup, je sais pas du tout où vont être les derniers. Bon, après, ils sont marqués. Marqués, bien évidemment. Ok, du coup, ça nous ouvre ici pour un potentiel raccourci. Il faudrait que je replonge sur le tech, là. Alors, je sais pas si je peux sauter la zob de n'importe quel côté. Je pense pas. Je pense que justement, il y a peut-être des trucs à faire dans deux côtés différents. Mais bon, je crois que c'était le côté où j'avais déjà sauté tout à l'heure. Il était pas mort. Ok. Merci Babil. Oula. Voilà. C'était quoi tous ces fruits de feu? On cache quelque chose. Est-ce que je passe là? Ok. Venu avec moi, Babil. Pourtant, il s'est volé, hein. Il pourrait venir. Hein. Très facilement, même. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons deux caisses. Nous avons une entrée ici qui nous permet de descendre. Très certainement au premier sous-sol, là, du coup. Oh là là, le régal. Le régal. La régalade de flèches. On est au niveau inférieur. Ouais, c'est... Ah, deuxième sous-sol. On était déjà au premier sous-sol. Effectivement. Effectivement, effectivement. On va faire une petite sauvegarde parce que ça fait longtemps, ouais. Je pense que ça peut pas faire de mal. Mais du coup, c'est fermé. Du coup, c'est complètement fermé. Mais on voit qu'apparemment on peut passer à un endroit du côté de la. Du côté du bâtiment quoi, parce que. Du bateau. Ça m'a l'air d'être complètement éventré. Ah, oula, j'étais juste sous le rouage. Pourquoi pas. Donc du coup, ouais, il y a un côté. Il y a un côté du bateau qui est complètement éventré. Et on peut accéder pour nos opérations secrètes. Est-ce que ça c'est le côté que je fais d'habitude? J'arrive jamais à me souvenir. Faudrait que je me repère par rapport à ça. Est-ce que les deux côtés se ressemblent de fou pour moi? Alors là, la différence, c'est que là, c'est fermé. Donc c'est peut-être encore un autre endroit, ça. Aïe. C'est peut-être complètement un autre endroit. Putain, je suis à 200 flèches, quoi. Quel endroit de dingo. Ah oui, d'accord, même la pointe comme ça, là, ça fait mal. Ah oui. Très bien. Trop loin. Je vois l'intention de le faire passer, mais il reste trop loin. On peut peut-être... Quoique non, il n'y a pas l'air d'avoir de... De trou. De trou. Non, pas d'accès.
Alors, je vois l'attention. L'intention, pardon, mais je... Mais le pouvoir est pas assez puissant, en fait. Sauf si un jour il a été vers nous, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va plutôt falloir passer par-dessous, en fait. Hein. Simplement. Là, j'ai absolument rien qui peut le récupérer. Alors, parce que même si... un stalactite et que j'essaye d'aller le récupérer, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah attends, sauf si je colle. Et oui. Oh putain, c'est smart de fou. Oh, l'énigme de dingue. Ouais putain. Faut vraiment penser à tout, hein. Ah, faut vraiment penser à tout, hein. C'est incroyable. Nice. C'est incredibile. Petit champi là, hop là, histoire de se remettre un peu. Le cœur, ça. J'ai la ref. Bâtard. Mais ah oui d'accord, j'avais pas mon arme sortie. Bah déjà se casser. Bah oui. Déjà cassé. Peut-être pas mettre une corne de golem à un bâton aussi, aussi simple. Ah, peut-être pas abuser. Bon, on peut amalgamer on peut amalgamer le bouclier sur l'arme. Plus 1. On mettra autre chose. Hein. Et on trouve pas mieux d'ici là. Ah putain, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un... Il y avait un endroit où j'avais pas pris une lame. On aurait pu... on pourrait aller la chercher, mais bon... Ouais, on pourrait. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il manque un élément pour lier, c'est ça? Il manque complètement un élément pour lier. Pour lier ça à ça. Et du coup, tu comptes sur moi pour trouver un liant. Du coup, le liant, ça peut être tout simplement un stalactite. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre là, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix que de jouer avec les stalactites, j'ai l'impression, ici. Très bien, avant-dernier. Et après, bah, va falloir trouver le tout dernier. Sachant qu'on sait à peu près où c'est, quoi. C'est dans un... C'est tout en bas, c'est dans une... On va dire dans une faille du bateau. J'ai eu l'impression. Donc va falloir un peu parcourir les abords du bateau. Lucas, c'est fini. C'est... Mais il commence à s'exciter. Je peux pas remonter là. Je pense que il va falloir que j'aurais peut-être pas dû remonter. Il va falloir que j'aille au niveau peut-être des rames. Mais du coup, ça sera peut-être de l'autre côté. Ah merde, c'est moi que tu veux viser là? C'est moi que tu vises?
C'est sûr qu'il doit y avoir la faille quelque part. OMG, I am doomed. I'm dead. On va essayer de pas mourir, ce serait cool. Merde. Putain. L'angoisse. Je passe au travers. Alors, j'ai une meilleure vue ici. Ah, est-ce que ça serait pas là? Ça a l'air d'être complètement là, mais il n'y a pas de bateau qui y passe. Comment je suis censé y aller? Parce que là, je vais aller trop là. Et après, je pourrais pas. Je pourrais pas faire ce dont j'ai envie. Peut-être pas ici en fait. C'est peut-être par là-bas plutôt. Ah, ça m'a l'air d'être par là. Ah, ça m'a l'air d'être complètement là. Il y a une petite lumière en plus, je la reconnais. Par contre, pour y aller... oui. Au secours. Deuxième sous-sol. Ah, c'est complètement là. Par contre, j'ai un peu peur là, de la suite des événements. Je vais pas vous mentir que... Ok. Ça va bien se passer. Juste que je reprenne pied à terre là et ça se passera bien. Let's go. Ok. Ok, ok, ok. Donc, le but, c'est d'aller de l'autre côté. On va juste monter par ici. On va faire le tour. Putain, on va se faire attaquer, bien évidemment. Oh, attends, il a des trucs de fou, lui, non? Il a des il a bouclier et armes Sonao mais vide. Et de toute façon ce sera toujours mieux que ça. Si je mets un bouclier sonium, de sonium sur un sur une épée sonium, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça améliore du coup quand même l'attaque ou pas? Ah ouais, du coup ça fait quand même le plus 3. Plutôt marrant. Plutôt cocasse. Ok. Et voilà notre dernier truc. Parfait. Parfait, parfait. Ça y est, Link. On a débloqué tous les verrous. Maintenant, on devrait pouvoir ouvrir l'écoutille sur le pont. Allons-y. Allons-y. Mais bon, j'imagine qu'il va y avoir une terrible chose qui va en sortir. C'est juste. Hein. Oula. Entre le levier et le mur, hein, tout va bien. Sauvegarde des familles. Oh putain, mais du coup, c'est joli en vrai. C'est vrai qu'avec le truc bleu là, on se rend pas bien compte, mais.
plutôt stylé. Hein. Bon, j'imagine que ça va chier des bulles là. Oula, il est bien au bord. Allez Link, on y va. Ah, effectivement. Glageyla. En vrai, le boss est giga stylé. Hein. Oh, vraiment. Je te parie que c'est à cause de lui si le village est pris dans la tempête. Faut à tout prix qu'on l'arrête. Le boss est vraiment giga stylé pour le coup. Hein. Est-ce que je me mets la tenue comme ça là? Pour plus de mobilité. Alors du coup j'ai vu ses points faibles, c'est plutôt dessous. Oula. Il faut qu'on passe à l'attaque, Link. Ouais ouais ouais. Bravo Link, ça a marché. Hein? Okay. Où est-ce qu'il va? Lui a traversé le bidou. Waouh. Plus rien. Il a un grand trou maintenant. Un grand trou. En fait c'est soit je fais par dessous, soit j'attends qu'il me lance ses picots quoi en gros, pour qu'il vide une zone. C'est ça. Il attaque. Maintenant, Link. Je l'ai pas du tout touché. Ah non. Ah, mon arc. Putain mais. Ah ça c'est chiant ça. Le fait que ça remplace pas automatiquement, c'est vraiment chiant. Ouais. On se retrouve dans des situations de merde pour pas grand chose je trouve. Est-ce que... Donc ça, ça a l'air d'être la première phase. Parce que du coup, là, on arrivait que mid-life. Là, il s'est rechargé, ok. Pour refaire la même chose. Sauf que maintenant, il y a des cyclones. Alors, je sais pas si c'est vraiment utile que je sauvegarde, mais bon, on va faire une sauvegarde. On est fichu. Ouais ouais ouais, mais il y en a beaucoup. Ah en fait ok, ah oui, il fait exprès d'en mettre il fait exprès d'en mettre en dessous en fait. Est-ce que j'ai juste besoin de traverser ce... Est-ce que j'ai juste besoin de traverser? Ouais, je vais faire ça quand même au cas où. Oula. Ouais, j'ai l'impression que j'ai juste besoin de traverser. J'ai ragdoll dans le boss. C'est
c'était plutôt marrant. J'ai complètement ragdoll dans le boss. Hey, j'ai juste besoin de traverser en fait, ça me fait pas de dégâts de chute ni rien. Ok, ça c'est cool. Peut-être avoir le troisième aussi. Pendant qu'on y est. Let's go. Boom. Et la tempête, c'est ça. Et mon réceptacle de cœur, bien évidemment, après un boss dans Zelda. Plus un artefact. Peut-être me permettre de, je sais pas, communiquer avec Zelda. Let's go. Ou alors c'est pour Babil. Babil, mon descendant. Toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre? Et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Du coup, il y a la princesse Zelda. Nous avons tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie.
Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh ! Mais c'est une super nouvelle, ça ! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir ! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Boing. Du coup, est-ce que ça va faire comme dans Breath of the Wild? Ça va me faire un pouvoir? Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ah, ou c'est juste que j'aurai l'ascension, enfin j'aurai le vent de Babil quand je veux en fait. Mais j'imagine que ce sera juste ça. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Plutôt pratique ce bras quand même, hein. Oh. Très bien. Chaque bague sera donc un pouvoir. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. C'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avertir les parents. Allez, le jeu, tu vas y arriver.
Elle est la Switch. Il s'estompe pas le froid en bas? Mmh. Ah si ça arrive. Ah. On va voir une autre scène. De leur point de vue. Ah. Non mais du coup ça veut dire que la zone elle va être trop agréable à... à visiter. Mais est-ce que ça veut dire que du coup il n'y a plus aucun... biome de glace ou quand même il y a quand même une partie de la chaîne Hébra qui sera encore sous la neige non je pense let's go. Trop cool. Il va falloir revisiter tout le village Piaf maintenant. Il y a sûrement des trucs qui ont changé. Oh, tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré, ça aurait pas été possible autrement. Hmm. C'est un exploit, c'est certain. Quant à moi, je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Ouais, hein. Pareil, j'arrivais pas à en croire mes yeux. Je te félicite, Babil. Hein ? Tu me donnes ton arc, papa ? Et tu y tiens tellement. Tu voulais même pas que j'y touche. Mm-hmm. J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu feras tes preuves en tant que guerrier. Waouh. Merci. Je vais m'en montrer digne, tu verras. Et dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame dans la vision ? Je me demande si c'était elle pour de vrai. Mais bon, c'est pas trop possible, ça s'est passé il y a trop longtemps. Et il faudrait qu'on en apprenne un peu plus pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vue sur l'arche céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite, alors oublie pas de revenir, d'accord ? Oui. Puis de toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Serment de Babil. Let's go. Ok. Bah c'est super. On a fait vraiment masse truc. Trop content. Trop content. C'était trop bien. Les serments des sages peuvent être activés à l'écran objets spéciaux de la sacoche. Révoqué. On le laisse activer. Hein. On le laisse activer. On le laisse activer. Ok. Bah du coup je vais vous faire des bisous sur YouTube. Parce que du coup ça fait une grosse VOD de presque 2 heures. Du coup des bisous et on se retrouve à la prochaine pour... Je sais pas ce qu'on va faire du coup, on verra bien, je pense qu'on va visiter, on va faire re-le-tour du village des Piaf et un peu des environs, je pense que maintenant, il n'y a plus la tempête. Des bisous, ciao!